Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment je réalise mes tresses avec rajout sur mes cheveux crépus. Ce type de tresse qui permet d'avoir un aspect beaucoup plus naturel est appelé knotless braid par les anglo-saxons. Pour réaliser cette coiffure, vous aurez besoin de séparer à l'avance vos différentes mèches. Également, vous aurez besoin d'une huile, d'un beurre, d'une crème ou d'un gel pour définir les différentes parties de vos cheveux. Alors pour la coiffure d'aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser des tresses de taille moyenne, mais il faut savoir que vous pouvez réaliser tout type de taille de tresse avec cette technique. Je vais séparer une section de cheveux plus ou moins égale à celle que j'ai réalisée précédemment et je vais commencer à tresser. Pour cela, je sépare la section en trois parties égales et avec mon index droit, je commence à tresser. Je fais 1, ensuite avec l'index gauche, je fais 2 et c'est à ce moment que je prends une mèche de cheveux que j'ai prévue à l'avance que je vais venir ajouter sous mon index. Donc vous voyez le mouvement, je prends les cheveux que j'ai préparés à l'avance et avec l'index, je viens attraper cette mèche pour la réunir à ma mèche de cheveux. Je refais 1 avec l'index droit. Je refais 2 avec l'index gauche. Je prends une mèche de cheveux que j'ai préparée à l'avance encore et que je viens ajouter. Voilà. Et je vais réaliser cette étape une troisième fois. La taille de mèche que vous allez venir ajouter ne doit pas être trop grosse. Elle ne doit pas être très petite non plus. Mais comme vous le voyez, elle doit être juste à la taille idéale pour constituer la grosseur finale de la tresse. Une autre façon assez simple pour expliquer cette technique, c'est de penser à la manière avec laquelle vous faites vos tresses collées. Sauf qu'au lieu d'ajouter des brins de cheveux, vous venez ajouter des mèches pour former une tresse unique. Si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur les tresses collées, je vous incite fortement à le voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Quelque chose que je n'ai pas mentionné précédemment, c'est qu'au début de chaque tresse, je viens appliquer mon beurre de karité sur la base de mes cheveux. Ça va vraiment permettre d'ajouter de la définition. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du beurre de karité. Vous pouvez utiliser le beurre de votre choix, comme le beurre de mangue par exemple, ou alors vous pouvez aussi utiliser des huiles végétales. Une autre solution pour apporter encore plus de définition et pour que la coiffure puisse durer encore plus sur la durée, c'est de mettre du gel. Par contre, il faut garder en tête que le gel va assécher beaucoup plus le cheveu et le cuir chevelure. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous préférez apporter de la nutrition avec vos huiles et votre beurre ou alors apporter de la définition avec le gel. Donc je vais vous laisser tranquillement regarder la vidéo et pendant ce temps, je vais vous expliquer pour moi quels sont les points positifs et les points négatifs de cette méthode de knotless braid, de rajout avec mèche sans nœud. Donc le premier avantage des knotless braid comparé aux tresses classiques, appelées box braid en anglais, c'est que la tension sur les cheveux est quasi inexistante. Voilà, généralement quand on fait des tresses avec des mèches, on doit attendre au moins 2 ou 3 jours, des fois une semaine, avant de pouvoir se faire un chignon haut, avant de pouvoir manipuler les mèches. Là, avec la méthode des knotless braid, tout de suite, vous pouvez manipuler vos cheveux. Tout de suite, vous pouvez faire un chignon haut, vous pouvez tourner les tresses, vous pouvez vraiment les bouger sans avoir de douleur ni de tiraillement sur les cheveux. Et cela s'explique par le fait que le début de la tresse est fait uniquement avec vos cheveux. Donc du coup, il n'y a pas de tension appliquée sur le crâne. Donc ça, c'est le gros point positif. Également, cette coiffure va vraiment limiter la casse des cheveux. Quand vous faites vos coiffures avec mèche, vos tresses avec mèche classique, vous pouvez observer certaines fois, quand vous défaites les tresses, que vous avez de la casse au niveau des racines, que vous avez des petits cheveux qui partent en même temps que vous faites les tresses. Et bien là, avec les knotless braids, la tension est vraiment diminuée, donc vous limitez au maximum la casse, ce qui fait que cette coiffure est une excellente coiffure protectrice et va vous aider à faire pousser vos cheveux naturels. Et le dernier gros point positif pour moi avec cette méthode, c'est que vous utilisez
très peu de paquets de mèches sur vos cheveux. Pour réaliser l'ensemble de cette coiffure, j'ai utilisé 2 paquets et un tout début de 3e paquet. Donc en gros, j'ai utilisé 2 paquets pour faire l'ensemble de mes cheveux. Généralement, avec la méthode classique, pour mes cheveux, c'est minimum 4 paquets et souvent 5 paquets. Ce qui veut dire que la tension appliquée sur les cheveux est beaucoup moins importante. Donc le cheveu va moins souffrir. Encore une fois, c'est très bon pour la santé de vos cheveux. Et c'est très bon pour vous aussi, parce que souvent quand on fait des tresses, le poids de la coiffure est tellement important, en mettant 5-6 paquets sur la tête, qu'on a mal au cou. D'ailleurs, quand on retire généralement des tresses classiques, on sent tout de suite un soulagement, on sent tout ce poids qui sort de la tête. Eh bien, avec la Knotless Boed, on n'a pas ce type de problème. On ajoute très peu de mèches sur les cheveux et on sent à peine le poids des cheveux sur la tête. Donc ça, c'est un gros point positif. Le point négatif, par contre, de cette méthode, c'est qu'elle prend beaucoup plus de temps que la méthode classique. Par exemple, si généralement ça vous prend 4 heures pour tresser l'ensemble de vos cheveux, pour cette méthode, vous aurez besoin de 6 heures. Voilà. Pourquoi ça prend autant de temps? C'est simplement parce que au lieu d'ajouter les mèches une fois, vous ajoutez les mèches 3 fois à chaque fois. Et plus vous allez faire cette étape d'ajouter des mèches au fur et à mesure, plus ça va vous prendre du temps. Donc voilà, si vous réalisez cette coiffure vous-même chez vous, juste prévoyez un peu plus de temps que ce que vous prenez d'habitude. Par contre, si vous faites cette coiffure chez la coiffeuse, il faut savoir qu'on vous facturera plus d'argent. C'est normal, ça prend plus de temps à la coiffeuse pour réaliser cette coiffure et donc ça entraîne une augmentation des prix. Et ouais, c'est le gros point négatif. Mais bon, vous avez de la chance parce que je vous montre en vidéo comment la faire vous-même cette coiffure, donc c'est pratiquement cadeau. Regardez, moi toute cette coiffure m'a pris beaucoup de temps, mais en termes d'argent ça m'a coûté que 2 paquets de cheveux, ce qui m'a coûté que 6 euros. 6 euros pour une telle coiffure, c'est vraiment pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour de nouvelles vidéos, vous mettez tout ça en commentaire. Bisous!